Professor Lenar, credo che abbia bisogno di pochissime parole per essere presentato. Lavora a Parigi, lavora, è sociologo di formazione, ma si occupa da sempre di critica d'arte, di storia dell'arte, di architettura del paesaggio, di arte dei giardini. Ha un lavoro che si colloca sul piano internazionale e che per molti di noi che si sono formati come paesaggisti costituisce un punto di riferimento importante, anche per aver dato vita a una serie di pubblicazioni su figure fondamentali per l'architettura del paesaggio del Novecento, come ad esempio quella di Roberto Burle Marx. Senza porre altro tempo in mezzo, direi di passare immediatamente la parola al professor Jacques Lenard, che appunto lavora presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Il titolo della sua relazione è La città e la foresta, il paradosso di un destino comune. Bien, bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir permis de venir discuter avec vous de cette provocation Amener la forêt dans la ville. C'est une provocation et c'est en tant que provocation que je voudrais traiter cette question. Pour que les choses soient claires par rapport à... Merci. Par rapport à ce que le dottore Cristoni et plusieurs de ceux qui nous ont reçus ici dans cette première séance de présentation, ils ont mis l'accent sur l'agriculture. Ce dont je vais parler, c'est de la forêt et pas du tout de l'agriculture. Et de la forêt sauvage. C'est en cela que je pense qu'il y a une provocation dans le titre qui nous réunit. En revanche, le représentant de la province de Torino nous a parlé des nouvelles lois qui vont régler la consommation des sols dans la province de Torino et ma présentation rencontre cette préoccupation-là beaucoup plus que celle de l'agriculture. Voilà, cette introduction étant faite, je voudrais entrer dans le cœur de ma réflexion. La forêt est un objet qui appartient depuis toujours à la pensée de la ville, ou au moins à la pensée du citadin. L'idée de forêt est née dans l'esprit d'habitants qui ont fui l'espace naturel. Ainsi, dans l'Occident médiéval déjà, mais même avant, le défrichement, la lutte et la victoire sur les arbres, la broussaille, la futaie, la victoire sur la selva oscura de Dante, était le signe même de l'avancement, du progrès de la civilisation. Et dans notre culture, la notion de ville et de campagne, l'opposition entre le sauvage et le civilisé, repose sur cette expérience originaire qui a donné ses formes à notre langage et à notre expérience de l'espace forestier. Au fond, pour la tradition occidentale, opposée en cela, évidemment, aux cultures orientales et aux cultures aborigènes d'Afrique et d'Amérique du Sud, tourner le dos à la forêt est devenu le geste symbolique de l'humanisation. Mais ça, c'est le passé. Notre civilisation urbaine actuelle recherche, au contraire, le contact avec la forêt. Et c'est pour cela qu'elle se pose la question Bring the forest in the city. Les villes contemporaines sont en quête d'espace où accueillir le végétal pour garantir la transformation des dioxydes de carbone que produisent les voitures et le chauffage urbain.
Et elles éprouvent de très grandes difficultés à dégager de la spéculation immobilière les espaces nécessaires pour amener ce vert, ces arbres, dans les villes. Et c'est pour ça qu'elles recherchent les structures industrielles désaffectées, comme ici je montre le Hampshire Park dans la Ruhr. Et il y a toute une série de stratégies urbaines, de réutilisation des lieux, projets de ce qu'on appelle des coulées vertes. Voilà un exemple à Paris, la petite ceinture. Voilà l'autoroute du Nord à Paris avant et après. Voilà, ce sont des procédures que les urbanistes d'aujourd'hui utilisent pour amener non pas la forêt, mais du vert dans la ville. Toutes ces solutions relèvent toutefois, sur le plan urbain, d'une énorme consommation d'espace. Et c'est pour ça que dans les années 70, dans la lignée de l'architecture de Frank Lloyd Wright, on a inventé ce qu'on appelle la « green architecture ». Je montre ici un exemple d'Edouard François de Tower Flower, qui a paru parmi bien d'autres dans un livre que Anna Lambertini, qui a eu la gentillesse de me présenter, et moi-même avons publié il y a quelques années, qui s'appelle Giardini in Verticali. La verticalisation s'est également développée dans l'idée de répondre au sein même de la ville à la question de l'empreinte carbone liée à l'approvisionnement en légumes frais des mégapoles. Je vous montre ici un projet de Dixon des Pommiers, Vertical Farm. C'est un dispositif pour produire des légumes au cœur de la ville. Et puis enfin, une référence rapide au mur végétal. Ici, un exemple du travail de Patrick Blanc, mais un mur végétal à Avignon, qui combine des développements techniques propres à l'agriculture et exploite en même temps les potentialités naturelles de certaines plantes dans le milieu urbain, notamment la possibilité des plantes du sous-bois tropical à vivre avec peu de lumière. L'importance qu'a prise l'architecture verte et les opérations d'urbanisme dont je viens de rappeler la diversité et sa généralisation dans le monde entier sont le résultat. Et c'est maintenant que je commence véritablement le sujet de ma conférence. Sont le résultat d'un vaste mouvement de transformation du rapport symbolique que notre société entretient avec la nature et le paysage naturel. Et je voudrais remonter sur cette histoire, revenir sur cette histoire de la transformation de notre rapport au paysage naturel. Depuis plus d'un siècle, la réévaluation du paysage forestier et le sentiment de son importance ont fait que l'ancienne phobie à l'égard de la forêt, cette phobie médiévale face à la selva oscura, si caractéristique de l'Occident et que j'ai rappelé tout à l'heure, s'est transformée par degrés en une attirance, en un intérêt et en une volonté de la préserver. La prise de conscience de cette évolution centenaire est d'autant plus importante à faire que les différentes valeurs qui se substituèrent par étapes au rejet ancien de la forêt continuent à alimenter notre perception contemporaine sous la forme d'arguments, d'images et de sentiments. Comme il s'agit d'un processus imaginaire, les acteurs, nous-mêmes, ne sommes pas toujours conscients de la puissance de cet imaginaire
et n'entrevoit que rarement les contradictions auxquelles il peut mener. Et ma conférence portera dans sa dernière partie sur ces contradictions. Je voudrais donc, pour favoriser cette prise de conscience, reconstruire avec vous ce processus historique. Trois périodes. La première phase, on sait que la mode du voyage s'est d'abord développée, je vais passer tout de suite, s'est d'abord développée au sein de l'aristocratie anglaise dès le XVIIIe siècle autour de la pratique du grand tour. Il s'agissait pour les jeunes lords d'aller en Italie découvrir les vestiges et les monuments de la culture classique, ruines gréco-latines et architecture et peinture de la Renaissance. Bon, ici, vous avez une image typique de cette peinture du XVIIIe siècle. Ce rituel du voyage touristique, centré sur la culture classique, incluait le paysage de la forêt italienne, de la campagne italienne, dans la mesure où celle-ci était véritablement ce qu'on peut appeler un paysage culturel, un mélange de monuments, de l'architecture classique, de peinture et de littérature. L'idylle virgilienne de la vie à la campagne coïncidait alors, chez ces habitants des villes du nord de l'Europe, avec une sorte de détachement distingué à l'égard des transformations qu'imposait la révolution industrielle qui commençait. Sous le nom de tourisme, dont on remarquera que le nom garde la trace de l'origine du grand tour, on voit dès le XIXe siècle la pratique aristocratique du voyage reprise par la bourgeoisie. Bourgeoisie européenne qui, dans ce domaine comme dans d'autres, imite les comportements de la noblesse. Cette pratique du voyage de découverte s'accompagne d'un nouveau rapport à la nature, construit et diffusé par les poètes et les peintres. Ce mouvement dans la sphère culturelle est désigné par le concept un peu vague de romantisme. La forêt devient un lieu où se promener et où se réunir. Vous voyez ici à la fois la forêt et une espèce de réunion de famille. Ce paysage culturel italien du Grand Tour, véritable vision utopique d'un monde harmonieux, d'une campagne prospère et d'une nature réconciliée avec l'homme, va, dans la première moitié du XIXe siècle, laisser la place, et ça c'est une rupture, laisser la place à des sites plus sauvages, à une attirance des peintres et des voyageurs pour une nature plus violente, pour des forêts profondes qui n'ont plus rien à voir avec la nature très civilisée de la campagne romaine ou napolitaine. Ici, on a des images de cette nature telle qu'on la perçoit, telle qu'on l'aime, telle qu'on la recherche même au début du XIXe siècle. On découvre alors les grands cirques sauvages des Alpes et le sublime des sommets inatteignables et dangereux que la nouvelle aristocratie des gentlemen sportifs, transformée en alpiniste, entreprendra de conquérir avec son sens bien connu du défi. La nature n'est plus accueillante. Elle résiste à l'homme, lui oppose son autonomie de monument naturel. En revanche, devant ces forêts impénétrables, ce n'est plus la peur que manifeste le voyageur, mais la fascination, l'intérêt, la curiosité. Petit à petit, d'ailleurs, ces excursions, qui dans un premier temps étaient risquées et rares, deviendront des parcours touristiques de mieux en mieux balisés et aménagés. L'affrontement avec la forêt devient un passe-temps sans surprise, sans risque, et qui finira, comme ici dans cette gravure de Topfer, par devenir la proie des caricaturistes qui n'y verront qu'un rituel petit bourgeois ridicule. C'est au sein des classes urbaines privilégiées, celles qui ont les moyens
de financer des voyages et à l'attention desquels, d'ailleurs, on construit des chemins de fer, des hôtels dans les Alpes, que se développe une nouvelle perception esthétique de la forêt. Je prendrai un exemple avec l'intégration de la forêt de Fontainebleau à la vie quotidienne des habitants de Paris, qui nous fournit un bon exemple. Voilà une forêt difficilement pénétrable, une forêt qui se présente comme un espace naturel, pas encore modelé par la présence humaine. Et puis viendront les artistes et les écrivains qui, à Barbizon, représenteront cette forêt de plus en plus, les peintres comme Théodore Rousseau, Diaz, Millet et une bonne centaine d'autres, qui vont participer à un phénomène d'appropriation par l'habitant de Paris de cette forêt étrangère, de cette forêt qu'ils vont représenter comme un paysage littéral, comme une vérité réaliste de la forêt. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le rôle central que jouent les écrivains, les peintres, dans la production des images de la forêt, de cette forêt naturelle et sauvage, souligne le fait que la forêt elle-même, ce morceau de nature, est pleinement entré dans une vision culturelle. Nous devons prendre conscience que nous avons toujours une vision culturelle de ce qu'est la nature, que la nature n'est jamais la nature elle-même, mais ce que nous percevons à un moment donné de l'histoire comme nature. Et alors on commence à s'intéresser pour les éléments, vous voyez des arbres morts ici dans cette photographie de 1849. On s'intéresse à des objets dans la forêt, on détaille la forêt en un certain nombre de phénomènes, ici des phénomènes rocheux, des points de vue. La promenade en forêt devient un exercice culturel en tout point comparable à ce qu'avait été au XVIIIe siècle, le Grand Tour en Italie. Elle est l'occasion d'admirer des points de vue saisissants, des motifs, ici un arbre, là un rocher, des groupements d'objets singuliers. En un mot, la forêt perd son unité, son mystère, sa systématicité écologique, si je puis dire, pour se détailler en objets remarquables, en spectacles, pour une nouvelle consommation, facilité par l'arrivée des lignes de chemin de fer et agrémenté par la multiplication des auberges. Les guides de promenade en forêt vont se multiplier, comme les photographies dont j'ai montré ici quelques exemples, et les peintres vont se multiplier eux aussi et devenir le centre d'attention des salons de peinture de l'époque. À mesure donc que cet intérêt pour la nature sauvage se diffuse dans les couches moyennes de la société, on commence à voir apparaître d'autres valeurs qui ne sont plus liées à la forêt elle-même, mais à ceux qui la visitent, comme celle de l'être ensemble, la convivialité, que caractérise par exemple le pique-nique. Le pique-nique en forêt, la forêt devient un cadre pour une nouvelle forme de socialité qui s'oppose totalement à ce que je rappelais tout à l'heure, la confrontation avec l'altérité de la montagne et de la forêt obscure. Ici, la forêt est un lieu accueillant. La promenade en forêt provoque, fait se développer une nouvelle sociabilité. Alors, on verra se multiplier ces formes à travers la peinture, notamment, les formes que prend cette nouvelle sociabilité dans des classe sociale qui accède petit à petit à ce contact avec la nature, avec la forêt. On passe du chic bourgeois du déjeuner sur l'herbe de Manet à la partie de campagne à la grande jatte de Seurat, ou même un petit peu plus tard, au début du XXe siècle, avec la bicyclette, la partie de campagne de Fernand Léger. Avec la découverte d'un mode mondain de consommation de la forêt, apparaît logiquement une nouvelle manière de concevoir l'aménagement
de la forêt. Sous l'influence des artistes et des touristes, la notion de protection des sites forestiers apparaît, au point que c'est à la demande des peintres, que le roi Louis-Philippe interdira la coupe d'une forêt qui était demandée par l'administration de la forêt. Donc vous voyez comment des intérêts tout à fait opposés, ceux des peintres, intérêts esthétiques, et ceux des administrateurs de la forêt, peuvent provoquer des nouvelles expériences. La forêt nouvelle, celle que recherchent les promeneurs du dimanche, doit désormais se conformer à un usage de loisir et à une perception esthétique. Devenue une œuvre d'art, elle doit être consommée comme telle. Le vaste mouvement littéraire et artistique a fini par développer dans le public urbain ce que j'appellerais une disposition esthétique qui devient la norme de la consommation de la forêt et de tout paysage. La vue de la forêt est source de jouissance et de délectation esthétique. C'est à partir de la généralisation de cette vision esthétique de la forêt que va se développer le troisième stade de notre rapport culturel à la forêt. Troisième temps dans lequel va apparaître une vision écologiste et la vision hygiéniste. Les valeurs esthétiques ne disparaissent pas pour autant, mais la violence du processus d'urbanisation fait émerger dans la société de la deuxième moitié du XIXe siècle d'autres préoccupations et d'autres intérêts qui concernent cette fois la survie du milieu naturel et de l'écosystème. On commence à concevoir que la ville n'est pas un objet isolé au milieu de l'espace, mais qu'il est en relation avec ce qui l'entoure. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Je prendrai très rapidement un exemple qui me paraît très intéressant à cet égard, qui est celui de la forêt, une forêt urbaine, une forêt qui est en ville, la forêt de Tijuca, qui a été au départ transformée en plantation, donc dédiée à l'agriculture, et que dans la deuxième moitié du XIXe, l'empereur Dom Pedro II du Brésil va replanter, arracher à l'agriculture pour la replanter en forêt, refaire une forêt. Et c'est la forêt que vous voyez ici qui apparaît comme une forêt vierge, mais qui en réalité a été entièrement plantée entre 1865 et 1880. On a planté plus de 300 000 arbres dans cette région qui était donc située au cœur même de la ville de Rio, afin de préserver les sources qui alimentaient en eau la ville. Mais le processus de création de cette forêt ne va pas s'arrêter à cette dimension écologique. L'impératrice Léopoldine, la femme de Dom Pedro, va très rapidement lancer la mode des promenades dans la forêt de Tijuca et déclenchera le processus qui va transformer la ressource forestière et hydrique en espace de loisirs, permettant le développement des promenades. En 1898, le premier train électrique est inauguré, scellant la transformation d'une restauration écologique en un dispositif touristique. La forêt étant désormais conçue par rapport aux attentes de la population urbaine, et comme celle-ci est à la recherche de sensations esthétiques nouvelles, les administrateurs de la forêt n'hésitèrent pas, selon la mode de l'époque, à planter des espèces qui n'appartenaient pas au biotope d'origine. C'est-à-dire que la forêt, qui dans un premier temps avait été replantée conformément à ce qu'elle était dans le passé, va devenir un objet exotique. On va planter des arbres de Malaisie, des arbres d'Australie, au cœur même de Rio. C'est-à-dire que le monument naturel qu'elle devient est un monument entièrement lié aux modes esthétiques modernes. Ça devient un spectacle qui, évidemment, va provoquer cet envahissement par les habitants de la ville. L'accès de tous au monument de la culture, phénomène qui s'est intégré à la revendication démocratique, touche donc petit à petit, et dès la deuxième moitié du XIXe siècle,
l'accès aux monuments de la nature. La création des parcs nationaux, d'abord aux États-Unis, puis dans tous les pays, va permettre que se développent des réseaux de transport, va permettre que se développent des réseaux hôteliers et engendre donc des dynamiques de population qui peuvent aller jusqu'à mettre en danger ces réserves de nature. C'est là-dessus que je voudrais conclure avec un dernier exemple. C'est un exemple qui... Tout ça, ce sont des images de la forêt de Tijuca, mais je voudrais prendre le dernier exemple qui est celui de la ville de Maringá, également au Brésil. Maringá est une ville récente. Elle a été créée en 1943. Elle a été créée par la destruction de la forêt qui existait dans l'État du Paraná. Destruction énorme qui a permis le développement d'une agriculture extrêmement prospère aujourd'hui et le développement de plusieurs villes, Londrina, Maringá, celle que nous avons ici. Et les urbanistes, conscients du fait qu'ils détruisaient la forêt, ont voulu lui construire un monument, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ont gardé au cœur de la ville un petit morceau de la forêt originaire. Cette forêt que vous voyez ici, aujourd'hui, au cœur de la ville. Mais évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Cette forêt attire les habitants de la ville. Ils veulent la voir. C'est leur passé, c'est leur subsistance symbolique, c'est leur subsistance écologique également. Et donc, bien entendu, ils veulent s'y promener. À tel point que il a fallu fermer le parc maintenant parce que la ville, la forêt se trouvant au cœur de la ville a détruit la forêt. Et voilà le type de paradoxe auquel nous arrivons. Et je termine par une information qui est tombée il y a 2 jours. L'État de São Paulo, toujours au Brésil, a décidé de privatiser les parcs nationaux. Qui dit privatisation dit rentabilité économique, dit donc multiplication de ceux qui auront accès à ces lieux, multiplication des auberges, des routes, des systèmes de transport. Et donc cet amour que nous développons depuis des siècles, enfin depuis un siècle et demi, presque 2 siècles maintenant, pour la forêt, et qui nous pousse à vouloir l'avoir au cœur même de la ville, cet amour risque toujours de la détruire. Merci.